Et salut tout le monde, c'est Zanban. On se retrouve sur la chaîne pour une vidéo. Alors aujourd'hui sur Far Cry 5, parce qu'il y a un week-end gratuit pour le jeu sur toutes les plateformes, notamment Stadia, qui est une plateforme sur laquelle je ne prends pas mes jeux d'habitude. Mais ça va être l'occasion de faire un petit test, parce que comme ça je vais pouvoir comparer la version Stadia avec la version Xbox One X. En sachant que donc la version Stadia que j'ai tourne en 1080p 30 FPS. Sais pas pourquoi ils ont foutu ça en 30 FPS, mais bon. C'est du 30 FPS. Et la version console qu'on va voir dans une autre vidéo tourne en. Donc ce sera la version Xbox One X, tourne en 4K 30 FPS. Donc je pense pas que pour ce jeu la progression soit partagée. Manette associée, oui, ça fait longtemps qu'elle est associée. En Far Cry 5, moi j'aimais bien Far Cry, notamment Far Cry 3, Far Cry Blood Dragon, mais après bah, j'ai un peu lâché parce que c'était un peu toujours la même chose. Connexion en tant que Zanma. Ah! Voilà, donc là on va se connecter à Ubisoft Club. J'ai déjà un compte Ubisoft. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais bon. Voilà, vous voyez ma super adresse. C'est génial. Il y a 5 personnes qui vont regarder cette vidéo. Les comptes que vous êtes sur le point d'associer deviendra le compte Stadia. J'espère que c'est le bon compte par contre. Attendez, je vérifie. Si je vais sur UbiConnect. En fait, ça peut être pas mal parce que notamment j'ai remarqué sur PS5, moi je suis en train de faire Assassin's Creed Valhalla. Que quelqu'un m'a prêté. Et bah, j'ai remarqué que la progression était partagée avec Ubisoft Connect. Et du coup, si on récupère le jeu sur Ubisoft Connect sur PC, on peut reprendre son jeu. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ubisoft Connect là? Voilà. Il m'a demandé 15 000 permissions différentes là. Normalement, un soft, tu lui donnes une fois la permission d'être admin et puis il se démerde sur tout le reste, mais là, j'ai dû le faire 3 fois, quoi. Ah bah, il recommence. Ouais, y en a des trucs à. Ouais, ça recommence encore. Ah, mais c'est. Ah, j'adore les launchers sur PC, c'est. Passionnant. Ah! Bah, il me demande de me connecter avec mon compte. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vérifier que c'est le bon compte parce que. Ça fait longtemps que je ne suis pas connecté sur Ubisoft Connect. Il faut dire aussi que bah, Ubisoft, ils sortent plus leurs jeux sur Steam. Donc moi, je suis sur PC, mais sur Steam. C'est pas sur Steam, j'achète pas. Donc, c'est un peu dommage. Et. C'est le bon compte, j'ai 36 jeux dessus, donc on va repartir sur ce compte-là. Je vais quitter l'application. Ok, donc on peut associer le compte. Voilà, c'est moi. Alors par contre, je suis pas sûr que la progression soit partagée, mais on verra bien. Je vous dirai, on verra ça sur la Xbox, de toute façon. Voilà. Donc ouais, ce petit week-end gratuit là, ça va nous permettre quand même de faire 2-3. Comment ça, il veut utiliser mon micro? Bon bah vas-y, fais-toi plaisir. J'espère que ça va pas m'avoir déconnecté le micro sur l'enregistrement. Ça serait quand même un peu ballot. Le Montana. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. C'est pas une région comme les autres. Et. C'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté.
C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Bonjour à toi, frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader ? Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Ça permet de changer la fenêtre. Dégueulasse. C'est carrément fait une statue à son effigie, quoi. C'est encore loin, juste assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse enfin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un mandat fédéral, shérif ? Non, non. Je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed, faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que... parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben... ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Pratt, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît ? C'est fait. Whitehorse à centrale, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis ? À vous. On a malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshall. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Ces tarés la feraient jamais chier. Pratt ! Les tarés, c'est une trouvaille, vous ? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif ? On y est. C'est juste en dessous de nous. Ah, ce que je fais du coup sur la Xbox, c'est que je vais démarrer le jeu pour voir si on reprend notre progression, et puis si c'est pas le cas, bah je referai le début du jeu. Pratt, bien compris. Mais pas sur la vidéo, je le ferai de côté. Oula, ça crame tout là. Ah, franchement, Stadia, c'est propre hein, comme service. Là, j'ai pas l'impression de jouer sur autre chose qu'un PC. C'est moi qui parle, personne ne dégaine son arme. Et on reste en rang serré. Au niveau des options, y a pas grand chose. C'est un problème aussi. Alors, c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va! Pourquoi je peux pas aller plus vite là ? Suivez-moi ! Ouvre l'œil. Ces gens s'énervent assez facilement. Par ici. C'est pour ça que j'ai qu'est-ce qu'ils font là ? Tu calmes !
que tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Sheriff, ça me plaît pas. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Nom de Dieu. Tout va bien se passer. Portez des insignes, non ? Ouais, et ils respectent. Ah, j'ai un problème avec une manette. Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle, Marshall. Je vais changer de manette à la prochaine cinématique. Il faut que nous restons du calme. Ça, c'est ma manette d'Xbox One, elle a déconné un peu. On y est. Hey Marshall, si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière, calmement, sans heurts. C'est compris ? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez. Essayez simplement de pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Ça va bien se passer. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. C'est notre Car nous projet. Savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, on y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, restez ça calme. Suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer, les mains bien en évidence. Non. Les voici, les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tous immédiatement. Reculez. Ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis… devant moi… un cheval blanc. Et en fait, là, tu lui fous les menottes et tu l'embarques, quoi. Et l'enfer derrière lui. Pourquoi ils attendent comme ça, comme des cons? Petit. Passe les menottes. Ah bah voilà. Bon là forcément ça va mal se passer. Dieu ne vous laissera pas faire. Allez, passe-lui les menottes. Parfois la meilleure des options, c'est de faire demi-tour. Okay. Allons-y. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant. On va à droite. Je suis dessus. On vous laissera pas. Non, vous n'avez pas le droit. Reste sur la voie, petit. Comme ça, vous pourrez comparer avec la version en 4K et pas en streaming.
verra la différence. Ah ça y est, ça se passe mal. Ah. Ah. Allez. Oh. Mais putain, mais ils sont combien là-dedans? Quoi? Qui a tiré sur qui là? Celui qui est devant nous, il a pas l'air bien. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez! Je t'avais dit que Dieu ne te laisserait pas me prendre. Pitié! J'ai besoin de savoir ce qui se passe! Oui, Centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. On y perd. J'ai foi en vous. Ah d'accord. Personne ne va venir te sauver. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. Lui, il va bien, quoi. C'est un pète la forme. Ouais, là. Seigneur Dieu, faut qu'on arrive à se tirer d'ici. Ils brûlent. L'ordre divin. Et leur punition. Un jour je vais jouer ou comment ça se passe? Il y a quand même pas mal de... Oh là, il a fallu que j'appuie sur... Ah, c'est... Allez, faut qu'on court. Oh putain. Voilà, ça y est, on joue enfin. Maintenant on va où? Oh, ça rame un peu du cul hein. Mais honnêtement, au niveau du streaming et tout ça, c'est propre par contre. Alors, le jeu de discrétion se remplit quand les ennemis peuvent voir. Oui, donc il faut se planquer quoi. Ok. Voilà, grosso modo. C'est vous. Et voilà. Et du coup, on fait quoi maintenant? Y'a pas de map? Je l'ai trouvé. J'ai trouvé Mathieu. Ça va pas du tout. Ils l'ont pris par surprise. Il est mort.
faut qu'on trouve ces pêcheurs. Attendez, j'ai besoin de renfort. Les pêcheurs peuvent être n'importe où. Vous m'entendez? On a un gros problème à la Syrie. J'ai besoin de toi, père. Protège-moi contre l'effondrement. Guide ma main pour qu'elle puisse punir ceux qui cherchent à s'en prendre. Là, t'es mort. D'accord, d'accord. Ah, il y a des trucs. Je sais pas où je dois aller en fait. Bon, je suis pas sûr que c'était mieux que ce que j'avais déjà. Mais... C'est quoi la suite en fait? Là, c'est pas clair. Hein. Parle de qui là? Bien sûr qu'il se planque. Je sais pas où ils sont. Ils me cherchent, mais. Après, faut peut-être que je continue de courir, hein. J'ai pas d'arme, je comprends rien. Je vais mourir. Putain, c'est pas vrai. Hey. Ah, on récupère de la vie. C'est pété. Bon, je sais pas jusqu'où faut aller, par contre. Je sais que t'es pas loin. Qui est-ce qui parle? Je vois rien, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Je sais pas où sont les ennemis. On lui aurait son chargeur. Une branche. Eh merde. C'était quoi ça? Il a disparu? What the fuck? Alors ça c'est pas normal. Ça c'est pas vraiment normal. Oh bah la vache. Mais il repop ou quoi? Oui il repop en fait. Oh là là le gros bug. Alors bienvenue chez Ubisoft. Voilà. Cette fois il a pas repopé. Trop bizarre. Je vais te faire très mal. Oh merde. Si là il a repop. Pour Joseph Seed. Tu cherches quoi en fait? Tu peux bien te planquer, je te retrouverai. Tu pourras arrêter de repopper aussi. Il va falloir qu'il sorte de sa planque. Pas mal tout ça. Bon, j'ai pas compris ce qu'on devait faire.
On va s'arrêter là déjà, parce que ça fait déjà un moment qu'on joue, mine de rien. On va se retrouver sur la Xbox pour la suite. Comme ça, ça me laissera le temps aussi de comprendre ce qu'il faut faire là, parce que je passe mon temps à échapper aux ennemis, mais il se passe rien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est parti pour la prochaine. Ciao.